la vie de Christ dans un homme produira les œuvres de Christ. Le Saint-Esprit dans un homme produira un chrétien. Jamais pas. Quand je veux parler au lys, il prend ma bouche. Autre, car chaque semence. Votre pasteur, Pastor Yuenu, doit s'en prendre à quelque chose. Aimez-le vraiment beaucoup. Et nous, chacun parle pendant un court moment. Que la moitié se moque en mode d'amour, vous fumez tout. Prenons les mêmes écritures que pendant la semaine. Genèse, disons dans Genèse chapitre 22, le 7e et le 8e verset. Dans Ésaïe 35, au 10e verset. Puis dans Malachie 4, le 5e et le 6e verset. Nous lisons. Alors Isaac prenant la parole. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, dit, mon père, Baba. Il répondit, me voici. Me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Lakini, mwana kondo, Dieu sadaka Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Mungu, atalitarisha peke yake mwana kondo. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Na wote wawili wakatembea pamoja. Ésaïe, Isaïe, chapitre 35. Du 8e au 10e verset. Il y aura là un chemin frayé, une route
barabara moja. On appelle la voie sainte. Nul impur n'y passera. Hata mofo moja tapitia. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne l'apprendra. Nul ne s'y trouve, ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. Amen. Malachi chapitre 4. Malachi 1. Le cinquième et le sixième verset. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Que le Seigneur Jésus bénisse sa parole. Bonsoir. Dans notre thème, où nous parlons du mystère du salut en Jésus-Christ. Depuis mercredi, nous avons commencé à étudier un message du prophète qu'il avait prêché. Le 6 février 1964. Le 6 février 1964. La voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Et nous avons vu que Dieu a toujours pourvu d'une voie pour toutes choses. Il y a une voie préparée par Dieu pour chaque chose. Il y a une voie préparée par Dieu pour le salut. Il y a une voie préparée par Dieu pour la guérison divine. Il y a une voie préparée par Dieu pour être exaucé. Amen. Donc, ce qu'il y a à découvrir, dans n'importe quel domaine, nous devons chercher à découvrir la voie pourvue par Dieu. Parce que Dieu n'agira pas autrement. S'il veut agir, il suit seulement sa voie là. C'est le seul moyen qu'il a. Amen. Amen. Et nous avons vu que Dieu a disposé les Écritures pour chaque âge. Il a loti sa parole. Dieu a fait un lotissement dans sa parole. Telles Écritures, c'est pour tel temps. Telle promesse, c'est pour telle époque. Telle autre promesse, c'est pour telle époque. Et pour nous aujourd'hui, il y a aussi des promesses et des prophéties qui doivent s'accomplir aujourd'hui. Amen. Amen. Dans chaque âge, Dieu a préparé des écritures qui doivent s'accomplir dans cet âge. Et quand une prophétie, quand une écriture s'accomplit dans l'âge, c'est cela la lumière pour cet âge-là. Amen. 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 C'est cela la lumière pour cet âge. On peut rafraîchir quand même votre mémoire. Dans le message de la voix pourvue par Dieu pour aujourd'hui, prêché le 6 février 1964. Ce que Frère Manam dit, nous l'avions lu, mais nous le relisons parce que beaucoup n'étaient pas pendant la semaine. Mais pour ceux qui étaient là, c'est une répétition.
Mais on a toujours dit que la répétition est la mère. Hein? Pour retenir quelque chose, il faut répéter. On ne perd pas de temps, on répète pour tout ça. La voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Paragraphe 8. On peut descendre. Suivez. Dieu a toujours une voix. Et il y a deux voix. Il y a la voix de Dieu et la voix de chacun de nous. Chacun de nous, vous avez toujours, il y a toujours deux voix qui existent. Dieu a sa voix. Vous aussi, vous avez votre voix. C'est ce que vous pensez. C'est-à-dire, nos voix ou bien ses voix. Dieu a une voix pour aujourd'hui. En effet, il a toujours pourvu d'une voix. Il a toujours pourvu d'une voix pour tout. Dieu, Mungu, au commencement, connaissait la fin. Alors il a disposé ses écritures pour chaque âge. Est-ce que je peux entendre les amens? Il connaissait la fin avant le commencement. Comme c'est lui la parole. C'est lui l'auteur de la parole. Lui-même, il est la parole. Amen. Amen. Il a disposé des écritures. Comme il est de grand acteur, il sait ce qu'il devait faire dans chaque âge. Quel masque il pouvait prendre dans un âge. Dieu, le grand acteur. Amen. Amen. Dieu au commencement connaissait la fin. Alors il a disposé ses écritures pour chaque âge. Et l'âge en question. Quand il arrive. Maintenant ne manquez pas de voir ceci. L'âge en question. Quand il arrive. Généralement le ministère est tellement embrouillé. Embrouillé dans des ismes. Les doctrines et tout est dans des traditions qu'il est à 1 million de miles de la parole. Et alors Dieu envoie toujours quelqu'un sur la scène, un prophète, et ce prophète, Dieu ne change jamais son système. Il ne change jamais ses voix. Il agit toujours de la même manière. Il l'a toujours fait. Il doit le faire cette fois-ci. Est-ce que vous comprenez ça? Quand le moment arrive où il doit manifester l'écriture, bien que les gens se sont éloignés de la parole, mais Dieu envoie toujours quelqu'un sur la scène. Est-ce que vous croyez cela? Mais c'est Frère Branham qui l'a dit. Il envoie toujours quelqu'un sur la scène. Un prophète. Nabi. Et ce prophète, il est Dieu ne change jamais son système. Il ne change jamais ses voix. Il agit toujours de la même manière. Il l'a toujours fait. Il doit le faire cette fois-ci. Et c'est par ce moyen que Dieu agit et confirme sa parole là. Il y a des écritures qu'il a disposées pour chacun. Quand le moment arrive pour manifester ces écritures, souvent les gens sont aveuglés. Mais Dieu envoie toujours quelqu'un sur la scène. Un prophète. Amen. Il dit, Dieu ne change pas son système. Il ne change pas ses voix. Il agit toujours de la même manière. Il l'a toujours fait. Il doit le faire cette fois-ci. Et c'est par ces moyens-là. Les moyens-là, c'est qui? Ce n'est pas les prophètes. C'est par ce moyen-là que Dieu agit. Et confirme cette parole-là. Comme je vous le disais hier soir, c'est Dieu qui fait sa propre interprétation. Je vous enverrai Élie le prophète.
C'est Dieu qui promet. Je vous enverrai. Et quand Élie le prophète vient, il ne vient pas seul. Il est envoyé par Dieu. Et Dieu ne le laisse pas. Dieu est avec lui. Comme il avait dit à Moïse, va, je serai avec toi. Il l'a dit au prophète aussi, va, je serai avec toi. Amen. 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 Alors, c'est Dieu qui interprète sa parole en l'accomplissant. Dieu n'a pas besoin, de personne pour lui interpréter la parole. Il l'interprète lui-même. En la confirmant, en la rendant réelle. Et quand Dieu dit qu'il fera une certaine chose, et qu'ensuite il l'a fait, il n'y a plus aucun doute là-dessus. C'est ça sa manière de faire. 10. Alors Dieu a pourvu d'une voix pour nous. Dieu aime ses enfants. Je veux entendre les amens. Dieu aime ses enfants. Dites Dieu m'aime. Je crois de tout mon cœur que Dieu m'aime. Dites Dieu aime ses enfants. Amen. Amen. Il aime son peuple. Amen. Amen. Il veut les aider. Amen. Amen. Dieu nous aime, il veut nous aider. Vous voyez comment quelqu'un se débat. Beaucoup de débats. Vous laissez la solution. Vous laissez la voie. Pourvu par Dieu. Pour que vous receviez ce dont vous avez besoin. Vous voyez quelqu'un, il va. Il fait des sacrifices. Il souffre pour lui. Alors que Dieu t'attend et il veut t'aider. Vous voyez comment les gens sont insensés. Comment nous sommes souvent insensés. Quelqu'un qui est disposé, qui veut vous aider et qui vous attend, vous allez là-bas, là où il n'y a même pas de solution. Vous allez souffrir pour rien. Je voudrais que ça pénètre. Dieu aime ses enfants. Amen. Amen. Je veux aider son peuple. Amen. Amen. Dieu veut les aider. Il veut vous aider. Amen. Amen. Plus que vous ne voulez vous-même être aidé. Si vous voulez simplement faire entrer ça dans votre cœur, que Dieu est plus disposé à vous aider, que vous êtes disposé à vous aider vous-même. Mais il a une voix. Je veux que les gens comprennent. Dieu veut vous aider. Dieu veut m'aider. Dieu veut t'aider, mon frère. Dieu veut t'aider, mon frère. Dieu veut t'aider, ma soeur. Dieu veut t'aider. Il veut t'aider plus que tu ne penses être aidé. Il est plus disposé à t'aider plus que tu ne peux pas t'aider toi-même. Mais pour t'aider, Dieu a une voix. Il a préparé une voie pour t'aider. Amen. Amen. Mais il a une voix. Et sa voix est l'unique moyen. En français, quand on dit unique, ça veut dire. Il n'y a pas une autre voix. Quand on dit Dieu a donné son fils unique. Est-ce qu'il a un autre à vous donner? Il n'a qu'un seul. De cette trempe-là. Un seul. Quand on parle d'unique, ça veut dire unique ne suppose pas un deuxième. Non. Et la voix de Dieu est l'unique moyen. Amen. 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 Il dit, mais il a une voix. Et sa voix est l'unique moyen par lequel il agira.
Vous devez accepter ces conditions à lui. Pas vos conditions à vous. Ces conditions. Vous voulez que ce soit d'une certaine manière. Mais il vous la donne à sa manière à lui. Amen. Amen. Nous avions donné l'exemple de Naaman, n'est-ce pas? Nous avions parlé de Naaman, le Syrien, un grand général. Je répète parce que vous pouvez lire ça. Alors ce grand général-là, Naaman, il était lépreux. Amen. Amen. Il était lépreux. Alors il avait besoin de la guérison. Une fille était là. Parce que c'était un Syrien, ils avaient attaqué Israël, ils ont amené les captifs, parmi lesquels une fille juive qui était devenue une bonne qui aidait la femme de Naaman. Et cette fille dit, si seulement mon Seigneur ici était en Israël, chez nous, mais le prophète qui est là guérirait sa lèpre ici. Nabi, moi je crois que l'ange lui a dit. Sa femme lui a dit. Et lui est allé voir son roi, le chef, le roi. Le roi a écrit au roi d'Israël. Alors, quand il est allé chez le roi, a lu. Qui suis-je, moi? Et je peux guérir quelqu'un de sa lèpre, moi. Le prophète Élisée a entendu cela. Il a dit, pourquoi le roi, pourquoi est-ce que le roi a déchiré ses habits? Pourquoi le roi a-t-il déchiré ses habits? Il ne faut pas déchirer les habits, le roi. Monsieur le roi, ne déchire pas tes habits. Pourquoi? Oh. Où est-ce que nous sommes? Je suis vraiment en train de faire la course. Je dis, vous aviez quand même connu, nous avons parlé de ça. Je vais rapidement pour avancer. Alors, quand il est allé, il arrive devant le prophète. Il dit, Nabi. Élisée n'est même pas sorti. Élisha, va lui dire qu'il a se plongé cette fois dans le Jourdain. Va te plonger cette fois dans le Jourdain. C'est fini, c'est ça. Ah! C'est ça! Dieu vit le gombe. Moi je pensais qu'il allait sortir. Il avait considéré que je suis un grand roi. Un grand qui? Général. Un grand général. Je sens qu'il y a des gens peut-être qui n'ont pas souffert que je lise un peu. C'est dans deux rois, chapitre 5. Je lis rapidement. Ah, c'est dimanche, il y a des gens qui... Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes. Et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël. Qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est en Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla le dire à son maître, la jeune fille qui est du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 sigles d'argent d'or et 10 vêtements de riches. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras
que je t'envoie Naaman mon serviteur afin que tu les guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements. Amen. Amen. Il déchira ses vêtements. Il dit, suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de discuter avec moi. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vient avec ses chevaux et son char, et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la lèpre, sur la place, et guérira la lèpre. Les fleuves de Damas, Labana, et le Parpa, ne valait-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en alla et il s'en retournait et parlait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Ils dirent, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il a dit, lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et il se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair est devenue comme la chair d'un jeune homme. Alors vous comprenez, donc la voix pourvue par Dieu pour la guérison de Naaman, c'était quoi? Il est quoi? Le prophète Élisée. Nabi Élisée. Il devait croire les prophètes. Quand il croit les prophètes Élisée, ça veut dire qu'il doit le prendre au mot, faire ce que le prophète dit. Amen. Amen. Lui a vu, on lui a parlé du Jourdain, il a pensé, mais chez lui, il y a des fleuves, on a dit Jourdain. Et même quand il est arrivé au Jourdain, Frère Branham dit, peut-être il s'est plongé. Deuxième fois. Vous voyez, cet homme ici, ce jour de moi, la lèpre est toujours là. Mais tu n'es qu'à la troisième fois. Il a dit 7. Comme si c'était tout plein de 7. Il y aura un changement déjà. La même chose. Peut-être qu'il s'est fâché, il voulait même sortir. Tu n'as pas cru le prophète. Il a dit combien? 7. Tu te plains déjà à 6. Ce n'est pas encore 7. Mais quand il a fait 7 fois, il a été purifié. Amen. Amen. C'est là que le prophète dit. Dieu parle à Nabi à la Sema. Amen. Amen. Suivez ce qu'il dit. Fatene Yasema Nabi. Paragraphe 11. Comme la main. Qui s'est plongé dans les eaux du Jourdain. Il disait que les eaux
là-bas dans son pays était bien propre, bien plus propre, qu'elle valait mieux. Mais ce n'était pas ce que le prophète avait dit. Même si les eaux de Shekhio étaient très propres, plus propres que les jours, hein? Lui, Naman n'avait qu'à croire le prophète. Et croire le prophète, c'est obéir à la lettre. Faire ce que le prophète a dit. Il dit, Anasem. Plonge-toi ici. Voyez, eh bien, il disait que les eaux là-bas dans son pays étaient plus propres, qu'elles valaient mieux, bien mieux. Mais ce n'était pas ce que le prophète avait dit. Il avait dit, plonge-toi ici. Et il s'est plongé une fois. La lettre était toujours là. Deux fois, elle était toujours là. À six fois. La lèpre était toujours là. Frère Branham dit, il devait obéir et suivre la voix de Dieu. Obéir et suivre la voix de Dieu. Et quand il a obéi entièrement à la voix de Dieu, la lèpre s'en est allée. Suivez maintenant le prophète, il dit, et je dis, j'ai dit cet avant-midi, que si nous obéissons à la voix pourvue par Dieu, la lèpre s'en ira. La maladie s'en ira. Tout s'en ira. Mais nous devons suivre sa voix pour aujourd'hui. Bon, se plonger dans les Jourdains ne servirait à rien maintenant aujourd'hui. Ça, c'était pour Naman. Il croit que Dieu a Naman. Amen. Amen. Quelqu'un va lire cela. Ah, tu as le problème. Va. Avec la conduite. Ce n'est pas ça pour aujourd'hui. Ce n'est pas ça pour aujourd'hui. Ça, c'était pour Naman. Vous voyez quelqu'un? On construit l'arche. Entrons dans l'arche. Nous serons enlevés, mais entrons dans l'arche. Ça, c'était pour le temps de Noé. Dieu a disposé les écritures pour chaque âge. Amen. Amen. On m'a même fait rire là. J'ai suivi quelque part là. On dit, je ne sais pas, en Afrique du Sud ou quoi comme ça, un serviteur de Dieu, il nous conduit, il a demandé aux gens de manger les herbes. Qui a suivi ça? Hein? Mwende mule majani. Nende fata hili. Ongozi. Eh, les gens sont allés. Watu yeko kato majani. Kupepeta majani sa onguruwe. Sasa sa mbuji. C'est quoi ça? Nili. Oh, conduite, conduite. Ongozi. Ah, Dieu doit parler. Aujourd'hui, parle. Mungu alisema. Mungu alisema. Mungu alisema. Frère Branham dit. Aujourd'hui, ce message n'est pas un message pentecôtiste. Nous devons sortir des traditions pentecôtistes et des traditions du monde pour entrer dans la parole. Aujourd'hui, c'est la parole d'abord. La parole dirige les dons. Là où il y a les dons, ils failliront. Pourquoi Madame dit ça? Les erreurs seront là. Mais la parole ne peut pas faillir. Non, un message, pasteur, ce matin. On priait. Dieu a dit aujourd'hui la louange seulement. Pas la parole, c'est l'Éternel qui a parlé. Je vais vous chasser avec cette histoire-là. Ce n'est pas pour aujourd'hui des choses comme ça. Oh, aujourd'hui, la conduite, tout le monde entre pieds nus. Aujourd'hui, que les femmes ne tressent pas leurs cheveux, même pas une seule femme.
Aujourd'hui, nous tous en blanc. Mais nous croyons aussi dans la conduite. Dieu peut parler. Pour un cas, il peut montrer. Dieu peut parler. Et tous les messages, ça passe par le discernement. Nous devons le juger. C'est ça la différence. Les dons existent. Même ici chez nous, il y a des dons. Des vrais dons. Je reçois les messages. Qui sont vrais. Amen. 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 Donc, Combe, il dit, Anasem, si nous obéissons à la voix pourvue par Dieu, la lèpre s'anira. La maladie s'anira. Tout s'anira. Amen. Amen. Se plonger dans les Jourdains aujourd'hui ne servirait à rien. Ça, c'était pour Naaman. La loi, c'était pour les Juifs. Non, le sang des agneaux. On a dit que tout chacun apporte le sang. Même si vous lisez, c'est dans la Bible. Quand quelqu'un a péché comme ça, ce qu'il amène un agneau, tu amènes aujourd'hui l'agneau. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Ça a existé. Ça avait son temps. Mais cela est passé. Aujourd'hui, on n'a pas besoin des agneaux. Dieu a aboli tout cela. Quand il a envoyé son fils unique, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Et il a offert un sacrifice tout suffisant. Il l'a offert une fois pour toutes. On n'a pas besoin d'un autre sang. Comme d'autres gens qui ont... Aujourd'hui, là-bas, quand frère Branham est tombé, il a connu l'accident. Son sang là, c'est le sang. Vous êtes malade. Il n'y a pas un autre sang qui nous lave, qui nous purifie. Sinon le sang de Jésus-Christ. Le sang de Dieu lui-même. Plus il dure, plus il devient très puissant. C'est ça là déjà séché. Même si tu vas là où Jésus... Même à la tombe, tu y entres. Même si tu y entres. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu iras en enfer. Même si tu entres. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Mais il y a la voie pour vie pour aujourd'hui. Amen, 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 amen. 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 Il dit, la grâce, c'est par Christ. Chaque âge a eu sa part de l'évangile. Cette Bible est la révélation complète de Jésus-Christ. Rien ne peut y être ajouté, mais en être étanche. Et la personne qui le fait est maudite. Nous ne pouvons rien y ajouter, mais rien en retrancher. Nous devons regarder ici. Et voir ce qui est promis pour cet âge-ci. Et ensuite de voir ses produits. C'est Dieu qui interprète sa parole. Quand il y a été dit, dans la parole, une vierge concevra. Elle a conçu. C'est ça qui en est l'interprétation de Dieu. Ce qu'il promet, c'est ce qu'il fait. Et maintenant, nous voyons que Dieu ne change pas ses systèmes. Il fait toujours les mêmes choses. De la même manière. Nous changeons constamment. Parce que nous sommes limités. Nous faisons toutes sortes d'erreurs. Et nous pouvons nous améliorer et devenir meilleurs. Mais Dieu est infini. Sa première décision reste tout le temps parfaite. Il ne peut pas devenir plus intelligent. Dieu ne peut pas devenir plus intelligent. Dieu ne change pas. Il est immuable. Ses voix sont immuables.
Sa parole est la même. Sa nature est la même. Amen. Mais les dieux immuables a disposé des écrits pour chaque âge. Amen. 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 Ainsi, ah, yeah. Quand il dit quelque chose, accrochez-vous-y de toute votre âme, parce que c'est vrai. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Amen. Amen. Alors nous avons essayé d'illustrer cela avec Moïse. Na Moussa. Moïse. Moussa. On a pris le temps de Moïse. Moussa. Amen. Amen. Dieu avait dit à Abraham, ta sémence séjournera dans un pays étranger où elle sera asservie. Et 400 ans après, amen, amen, je la délivrerai de ma main puissante. Amen. Amen. Ça, c'est la parole. Le temps de Moïse. Vous voyez? Non. Je prends comme ça. Pour que vous compreniez aussi notre temps. Genèse chapitre 15. C'est dimanche. Et ce que tu j'ai mes soucis de tout le monde. Genèse 15. Pour gagner le temps, on commence directement au paragraphe 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je, il dit quoi? Je, le même qui a dit, je jugerai. C'est le même qui a dit dans la Malachie, je vous enverrai. Je, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Vous avez compris? Amen. Amen. Voyez maintenant. À l'accomplissement. Quand cela s'accomplit, qu'est-ce qui arrive? Quand cela s'accomplit, nous sommes dans le troisième exode. Troisième exode. Quand ça s'accomplit? Prenons d'abord le paragraphe 24. Très bien. Avez-vous remarqué? Amen. Amen. Avant même de lire le prophète, prenons toujours la Bible là où ça s'accomplit. C'est dans Exode 3. C'est là l'accomplissement. Exode 3. Qu'est-ce qui arrive? Exode 3. C'est à 10. Saba, wendelea kumi. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Vous pouvez lire tout le passage là, mais je saute pour gagner le temps. Comme il fait chaud. Il va arrêter à un certain moment. Il dit, on peut toujours lire le tout. C'est important. Moïse faisait paître le troupeau de Jitro, son beau-père, sacrificateur des mandiots. Et il mena le troupeau derrière le désert. Et vers la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consumait pas. L'Éternel vit. Oui, l'ange de l'Éternel. L'Éternel vit. Il s'est détourné pour voir. Et Dieu. Donc c'est Dieu qui était descendu là. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers et tes pieds. Car le lieu sur lequel tu t'étais est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père,
le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Jacob. Moïse se cacha le visage quand il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coulent les laits et les miens. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Éviens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression qui leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, que tu feras sortir d'Égypte mon peuple d'Israël. Qui devait délivrer les enfants d'Israël? C'est Dieu. C'est la promesse. Mais à l'accomplissement, on voit Dieu qui descend. Un prophète est là. Et Dieu envoie le prophète. Amen. Amen. Il dit, va, je serai avec toi. Suivez maintenant l'interprétation. C'était l'accomplissement, là, c'est ça l'interprétation. Mais qu'est-ce que Wembe dit? Nous aimons Wembe. Dans le troisième exode, c'est un message qu'il avait prêché le 30 juin 1963. Suivez d'abord au paragraphe 24, il dit. Avez-vous remarqué? Je suis descendu. Mais je t'enverrai. Dieu est descendu pour délivrer. Mais pourquoi il n'est pas allé seul? Il y a une autre déclaration, frère Abraham dit, Dieu ne peut rien sans nous. Et nous aussi, nous ne pouvons rien sans Dieu. Dieu a besoin de nous. Nous avons aussi besoin de Dieu. Dieu avait besoin. Il pouvait y aller seul. Dieu Mungu est fidèle à sa parole. Pour lui, c'est Moïse. Dieu devait agir par Moïse. Mungu dit, avez-vous remarqué? Je suis descendu. Mais je t'enverrai. Il dit, c'est Dieu ni Mungu sous la forme d'un homme qui allait en Israël. Quand Moïse partait, les gens voyaient Moïse. Mais c'était Dieu sous la forme d'un homme. Vous avez suivi ça? C'est Dieu sous la forme d'un homme. Maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Je dis, je serai avec vous et je serai avec toi. Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu viendras, je vous demande pardon. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Je n'avais pas remarqué cela avant. Mais me sentant très profondément inspiré par l'Esprit ce matin, je saisis cela sur le champ. Dieu, renvoyant son serviteur à l'endroit d'où il avait fui, il lui donne les signes d'une montagne. Mais, et nous aussi, nous avons aussi un signe. Là en dessous, il y avait une montagne. Hein? Ils sont allés au mont Sunset. Quand ils quittent la montagne, ils commencent à monter. C'est là qu'on a pris la photo. Il dit, Dieu donnant un signe d'une montagne. Quand frère Branham dit comme ça, c'est pour attirer notre attention. Amen.
dit, je n'avais pas remarqué cela avant. Mais me sentant très profondément inspiré par l'Esprit ce matin, je saisis cela sur le champ. Dieu, renvoyant son serviteur à l'endroit où il avait fui, il lui donne les signes d'une montagne. Je n'avais pas remarqué cela auparavant. Ce sera pour vous un signe éternel. Et bien, nous sommes, nous allons parler ce matin sur ce sujet. Bon, je saute un peu. Amen. Amen. 26. Ici, Dieu s'apprête à accomplir sa parole divine des promesses qu'il avait donnée à Abraham. Ce que nous avons lu dans Genèse 15. À Isaac et à Jacob. Des années, des centaines d'années s'étaient écoulées. Et pourtant, Dieu n'oublie jamais sa promesse. Dans la saison, au temps convenable, Dieu accomplit toujours sa promesse. Par conséquent, vous pouvez avoir la pleine assurance que ce que Dieu a promis dans cette Bible, il va l'accomplir. Tout ce que Dieu a promis dans la Bible, il va l'accomplir. Il n'est pas du tout nécessaire d'essayer de penser autrement. Et de dire, peut-être qu'il s'était trompé. Ne pourrait pas arriver aujourd'hui. On dirait que c'est presque impossible en ce temps-là. Beaucoup plus impossible que maintenant. Mais Dieu a accompli cela malgré tout. En effet, il a promis qu'il le ferait. Et regardez combien simple est la façon dont il l'a fait. Je suis descendu. J'ai entendu les cris. Je me souviens de ma promesse. Je suis descendu pour accomplir ma promesse. Et je t'envoie. Fais cela. Je serai avec toi. Certainement, je serai avec toi. Mon infaillible présence sera avec toi. Où que tu ailles, n'aie pas peur. Voyez-vous, je vais t'envoyer pour amener mon peuple à un exode. Pour les appeler à sortir. Et je serai avec toi. Amen. Amen. Je peux sauter. Pour prendre 119. Il dit, Dieu a fait un choix au temps de l'exode. Il a appelé un groupe hors de ces groupes-là. J'aimerais que vous remarquiez quelque chose. Il n'y a eu que deux qui allèrent dans la terre promise. Quel moyen choisit-il pour faire sortir son peuple de l'esclavage de l'Égypte? Quel moyen? Quelle voix? Quel moyen? Quelle voix? Il dit, est-ce la politique? Non. L'organisation? Non. Il a choisi un prophète avec un signe surnaturel. Avec un signe surnaturel. La colonne de feu. Afin que le peuple ne se trompe pas. Dieu a choisi comme moyen la voie que Dieu a pourvue pour la délivrance d'Israël. C'est un prophète avec un signe surnaturel pour que le peuple ne puisse jamais se tromper. Dites grandement Amen. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Quel est le moyen choisi par Dieu aujourd'hui? Quelle est la voie pourvue par Dieu aujourd'hui pour notre délivrance, pour notre salut? C'est quelle voie? C'est un prophète avec un signe surnaturel pour que les élus de Dieu ne puissent pas se tromper. Amen. 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 Il dit, Anasem, Dieu est descendu dans une colonne de feu et s'est confirma et manifesta sa parole. Il dit, ce qu'il a fait à son premier exode, Dieu agit toujours par toi
Il est parfait en toi. Vous avez tous remarqué que dans ma prédication, c'est toujours 3 et 7. 7, c'est l'achèvement. 3, c'est la perfection. Premier, deuxième, troisième poule. Oh, tout. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit. 3. Remarquez. Qu'a-t-il fait au premier jour, au premier saut? Il a envoyé un prophète loin avec la colonne de feu. Il a appelé les gens sortis. Ce fut le premier exode. Au temps d'Israël. Il a envoyé un Dieu prophète avec une colonne de feu. Amen. Amen. Il dit. Et au temps d'Israël, il a envoyé un Dieu prophète. C'était Jésus. Deuxième. Jean a vu cela descendre du ciel comme une colombe. Il a dit, je vais à Dieu. Je retourne à Dieu. Après sa mort, son assainissement, sa résurrection, cette même colonne de feu a été vue par Saul de Tarse en route pour Damas. Et étant un Hébreu, bien enseigné dans la parole, il a dit, Seigneur, qui es-tu? C'était le deuxième exode. Il a utilisé quel moyen? Je refais. Mon Nabi. Dans le premier exode, un prophète, Nabi Moja, moi, par un signe surnaturel. Ceci là, c'est qui? Il est cher et c'est Dieu. C'est la colonne de feu. Amen. Amen. Deuxième exode, Dieu lui-même. La colonne de feu a été faite chair. Jésus. Yes. Dieu prophète. Mon Nabi. Après sa mort. Son affaiblissement, sa résurrection. Il dit, Saul de Tarse l'a rencontré sur le chemin de Damas. Un Hébreu ne pouvait pas appeler n'importe quoi Seigneur. Il a dit, Seigneur, qui es-tu? Il savait que la colonne de feu était le Seigneur. Je veux entendre les amens. Paul savait que la colonne de feu était le Seigneur. Il savait cela. Il était hébreu. Il a dit, qui es-tu? Et il a dit, c'est moi Jésus. Tu comprends ça, mes bien-aimés frères? La colonne de feu s'identifie, se présente. C'est moi Jésus. Amen. Amen. Dit, au deuxième exode, il suscita un prophète qui était son fils. Dieu prophète. Dieu prophète. Moïse avait dit qu'il serait un prophète. Et il avait une colonne de feu. Il a accompli des miracles et des prodiges. Et ce même prophète a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Il a promis la même chose pour l'exode des derniers jours. Il ne peut pas changer cela. Et par une preuve scientifique, par le témoignage du Saint-Esprit, par les œuvres de l'Esprit, nous voyons cela. Aujourd'hui, la glorieuse colonne de feu s'est mouvoir parmi nous, ainsi que les miracles et les prodiges de la résurrection de Jésus-Christ, qui appelle les gens sortis des dénominations et à entrer dans la présence de Jésus-Christ pour vivre, aller vers un pays. Frère Bam dit, mes amis, il n'y a pas d'erreur. Dites amen. Semaine, amen. Il n'y a pas d'erreur. Ce n'est pas ce que je dis qui compte. Je ne suis que votre frère. Mais c'est ce que Dieu confirme devant vous. C'est ce qui fait de cela la vérité. Cette même colonne de feu, il a utilisé les deux autres fois dans les deux premiers exodes. Il l'a ramené parmi nous aujourd'hui. Cela a été prouvé par des moyens scientifiques. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Et le prophète dit,
Je veux un peu que nous puissions répéter, vous répéter, je parle, vous répéter. Dans le message, le retour et les jubilés, au paragraphe 46, Frère Branham fait un parallélisme, il fait une comparaison. Il dit l'église est maintenant comme Israël. Voulez-vous dire amen? L'église est comme Israël. L'église ressemble à Israël. Lorsqu'il sortit d'Égypte, lorsqu'Israël était là en Égypte, Dieu, dans sa merveilleuse grâce, sans aucune organisation ni rien d'autre, appela Israël à sa prospérité. Il les appela à leur héritage. Maintenant vous répétez avec moi. La grâce leur donna un prophète. Alléluia. Amen. Je veux que nous puissions actualiser cela. Parce que l'église est comme Israël. Amen. Quand je dis la grâce leur donna un prophète, je voudrais que vous parliez avec foi. La grâce nous a donné un prophète. La grâce nous a aussi donné un prophète. Répétez cela avec foi. Cela va créer une onction. Dieu va se réjouir de cela. Parce que nous avons reconnu notre jour et notre message. C'est le message de l'heure. La grâce leur donna un prophète. Vous ne dites pas leur donna. Moi je parle au passé. Vous, je vais aussi répéter parce que je crois aussi cela. Répétons cela au présent. Parce qu'il a dit l'église est comme Israël aujourd'hui. Ce que Dieu avait fait pour Israël, il le fait aujourd'hui pour l'église. C'est ce qu'il dit, je reprends. L'église est maintenant comme Israël. L'église ressemble à Israël. Lorsqu'il sortit de l'Égypte. Lorsqu'Israël était là-bas en Égypte, Dieu, dans sa merveilleuse grâce, sans aucune organisation, ni rien du tout, appela Israël à sa prospérité. Il les appela à leur héritage. Même nous, nous étions en Israël. Notre Israël, c'est le monde. Israël, le péché. C'est la grâce qui nous a appelés. La grâce leur donna un prophète. La grâce nous a donné aussi un prophète. La grâce leur donna la colonne de feu. La grâce nous a donné la colonne de feu. La grâce leur donna un agneau. La grâce nous a donné un agneau. Alléluia. Amen. La grâce leur donna la puissance. La grâce nous a donné la puissance. Amen, amen, amen. Amen. La grâce leur donna la délivrance. La grâce nous a donné la délivrance. Est-ce que vous croyez cela? La grâce leur donna la victoire. La grâce nous a donné la victoire. Amen. Voyez cela de tout votre cœur. La grâce leur donna toutes choses. La grâce nous a donné toutes choses. Amen, 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 amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Si vous croyez cela, dites en grand. D'abord, amen, il est ce amen, mon nez, kabisa. Dites encore un grand amen. C'est un amen, 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 amen. Dites pour la troisième fois un grand amen. Amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Il est temps. Pourquoi tu m'as timide? Mais si vous voulez, dans cette onction, que j'ajoute des déclarations. Ne vous fâchez pas, ne vous fâchez pas. J'avais dit que j'allais prêcher dans une heure. Il est maintenant une heure. Comme j'avais dit une heure. Que j'arrête.
C'est mon mission. Mais j'ai dit une. C'est mon mission. Bon, alors que j'ajoute deux. Donc c'est ma loupe mille et tout. Non, il ne faut pas que vous fatiguiez. On va sortir avant. Si, bisous, mais tu es chapeau de ta toque. Vous ne voulez pas que j'ajoute. À mon plein de yonge, c'est moi. Bon. On ajoute un peu. Ça. Amen. Nous combinons tout. Amen. Bon. Je vais lire l'étape actuelle de mon ministère. Et pendant qu'il y a eu de ma wang. Et la biographie. Na itu elimo ya maisha. Je coupe là. Amen. Amen. Maintenant, vous voyez ce que Dieu avait fait. Donc, pour nous, la voix pourvue aujourd'hui. C'est un prophète qui a été confirmé par un Seigneur. Amen. Amen. Je vais lire, je l'avais lu. Je veux que les autres aussi. Dans l'état présente de mon ministère. Ou l'état actuel de mon ministère. Ici, on parle. Après, madame raconte les songes d'un de ses diacres, Tony Isabelle. Il était à la recherche de la voie pour le ciel. Il cherchait le chemin du ciel. Nous tous qui sommes venus ici. Nous cherchons le chemin du ciel. Nous voulons aller au ciel. Qui veut aller au ciel? Toi, tu n'as pas levé la main, tu ne veux pas aller au ciel. Arrêtez. On lève la main comme ça. Et Dieu vous bénisse. Nous voulons tous aller au ciel. Suivez cette expérience. Je lis simplement pour gagner du temps. Ce sont deux témoignages. Ici, c'est le songe de Tony Isabelle. Et puis, je vais lire le témoignage de Osborne. Le témoignage. Vous connaissez ce témoignage-là? Amen! Amen! Tony Osborne. Ce qu'il dit de ce qu'il a vu. Il a vu Jésus-Christ aujourd'hui. Sur la terre. Il ne croyait pas le message. C'est un grand serviteur. Amen. Amen. Ces églises, ce sont les Zambemalamu. Tony Osborne. On va terminer avec ces deux témoignages. Pour que vous ne soyez pas très fatigués. Les deux là. Bien. Suivez maintenant. Là, c'est Tony Isabelle. Frère Manam dit. L'un de nos diacres ici. Je suis dans l'état présent de mon ministère. Il avait prêché le 8 septembre 1962. Nous lirons du paragraphe 80 au paragraphe 84. L'un de nos diacres ici. Je ne sais pas s'il est ici ce soir ou pas. Il s'agit de Tony Isabelle. D'habitude, il est ici. Il est venu à moi, il a dit. Il n'y a pas longtemps. Avant qu'il arrive. Avant qu'il vienne ici. Il a dit. J'ai eu un songe. Un drôle de songe. Il a dit, j'ai rêvé que j'essayais de trouver mon chemin pour monter au ciel. Il a dit, j'ai vu un homme vêtu d'une soutane noire qui venait. Et il était en train de lire un livre. Un homme en soutane noire lisait un livre. Amen. Amen. Et il dit, je suis arrivé à cet homme. Je lui ai demandé quel est le chemin pour aller au ciel. L'homme a regardé. Hein? Avec un livre. Je vois. Montre-moi le chemin pour aller au ciel. Je suppose qu'il a dit, mais nous sommes sur la terre, tu cherches le chemin du ciel. Tu n'es pas donné. Il dit, bon. C'est bon. Alors, moi, je ne connais pas ça. Mais je demande à l'autre.
Il a dit, demandez à l'homme qui est devant moi. Et c'était un pasteur d'une église qu'il avait fréquenté. Il a avancé encore un peu. Il a rencontré un autre homme. Il portait une soutane noire. Et il chantait tout en marchant. C'était un autre pasteur. Ces deux pasteurs sont des amis personnels à moi. Et il a dit, ce sont des hommes très bien. Il a dit, quel chemin dois-je suivre? Quel chemin dois-je emprunter pour atteindre le sommet de la montagne? Il a dit, regardez. Tu me demandes à moi, je te montre. Bien. Regardez par ici. Il a dit, vous voyez très haut là. Très haut là-bas. Il regarde. C'était une montagne. Vous connaissez? Que sur la montagne aujourd'hui. Quelle montagne? Sunset. Il y a eu quelque chose. Très haut là sur la montagne. Vous voyez là? Non, au sommet. Ce tout petit homme là. Il dit oui. Il y avait là. Un homme qui portait une salopette. Une espèce de petit chapeau de cow-boy. Salopette, c'est le bleu de travail. Avec un chapeau de cow-boy. Il dit, quelqu'un disait au Kentucky. Il disait parlant de moi. Ça c'est Frère Branham qui fait une parenthèse. Il parle quelqu'un disait au Kentucky. Il disait en parlant de moi. Il disait, ce gars-là a l'air de tout. Sauf d'un prédicateur. Il a l'air de tout. Comme un marchand, comme un cultivateur. Frère Branham dit, il continue, il dit, il se peut que j'ai l'air d'un cultivateur. Ou quelque chose comme ça. Mais, vous savez, ce ne sont pas les apparences qui comptent. Pour Dieu, c'est cet homme-là qui ressemble à tout sauf à un pasteur. C'est lui la voix. C'est lui la voix préparée par Dieu. C'est lui le moyen que Dieu nous a donné pour nous montrer le chemin du ciel. Vous voulez être enlevé? Voyez le prophète Branham. Vous voulez voir le Saint-Esprit? Voyez ce qu'il dit. Vous voulez être béni? Voyez ce qu'il dit. Vous voulez être toujours le premier et le dernier? Croyez le prophète. Vous voulez être béni dans les champs? Dans la ville? Dans votre maison? Faites ce que Frère Branham a dit. Vous serez bénis. Alors il dit, ce ne sont pas les apparences qui comptent. Et il a dit que c'était moi qui étais debout là-haut. Il a grimpé jusqu'à ce qu'il arrive jusqu'à moi. Il a dit que je l'ai pris par mes bras. Et que je l'ai conduit en haut jusqu'à ce que j'arrive au sommet de la montagne. Il a tenu. Il l'a conduit. Frère Branham était toujours avec Tony Isabel. Jusqu'au sommet de la montagne. Il tenait à la main. Jusqu'à alors qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Oh! Oh! Je l'ai conduit là-haut jusqu'à ce que j'arrive au sommet de la colline. Il y avait un endroit désert à traverser. Et je dis, Tony, je dois te quitter ici.
Il faut que tu fasses une partie du chemin tout seul. Inabidi, yenye kubaki ya safari uifanye peke yako. Frère Brahma a conduit l'épouse jusqu'à un certain moment. Ndoko, Brahma naongoze bi harusi mpaka moto hivi. Mungu akamondosha. Maintenant, sasa hapa, nous devons continuer seul. Wacha songa mbele sisi peke. Amen. Suivez. Sigelize. Maintenant, quel conseil il donne? Shauri kani analeta. Comme lui part maintenant. Kisi anaanza kwenda wapi? Qu'est-ce qu'il nous a laissé? Il dit, Tony, je dois te quitter ici. Il faut que tu fasses une partie du chemin tout seul. Il a dit, frère Branham, qu'est-ce que je peux faire à partir d'ici? Il a dit que j'ai répondu. Viens ici, Tony. Regarde là. Viens ici, Tony. Regarde là. Par terre. Tu vois ces traces de pieds nus marquées de sang, les traces de pieds nus marquées de sang. Je dis, c'est ce que j'ai suivi tout le long. Tu n'as qu'à rester là-dessus. Quand on avance, hein, tu vois un pas là-bas, chemin. Vous suivez les traces des pas ensanglantés. Amen. Il dit, restez là-dessus, là où il y a les pas. Là-dessus. Pas les jours. Amen. Amen. Alors il dit, tu vois ces traces des pieds nus marquées de sang. C'est ce que j'ai suivi tout le long. Tu n'as qu'à rester là-dessus. Je ne connais rien d'autre vers quoi diriger les gens. Pas vers un credo, pas vers une sensation quelconque, mais vers ses empreintes. Des pas ensanglantés qui conduisent à la Bible, le sang de Jésus-Christ. C'est ça que Frère Branham nous a montré. Dieu est le doko, Frère Branham nous a montré. Amen. Amen. C'est le premier témoignage. Le dernier pour aujourd'hui. Il dit quoi? Dans la biographie. Je crois que vous aimez le prophète, n'est-ce pas? À la page 557. La biographie. Suivez attentivement, pasteur, nous terminons. C'est la mémoire de William Branham. C'est Tony Osborne. Tony Osborne. Suivez un peu. Le premier soir où j'ai entendu et vu frère Branham prêcher, je n'ai pas entendu de voix. Je ne savais pas que cela avait été dit de lui. Avant, il ne savait rien. Et je ne savais pas que la voix venant du ciel avait dit ces paroles. Parce qu'il a vécu une expérience, il a entendu. Je l'ai su. Cela vint à moi. Comme Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de sa première venue, William Branham est envoyé comme précurseur de sa deuxième venue. Tony dit, j'étais un jeune prédicateur inexpérimenté. Je n'étais pas un théologien. Je ne connaissais pas les Écritures. Pourquoi j'ai connu cela? Je ne sais pas. Je dis merci Seigneur. Il croisa mon sentier. Merci Seigneur. J'appris. Merci Seigneur. Je saisis. Cela ne prit pas 10 soirs. Seulement un seul soir, je saisis la chose. C'est Tony Osborne. Cette génération cherche un signe. Un autre signe. Encore un autre. Il dit, c'est assez. Moja tu inaenea. Un seul, c'est suffisant. Moja tu inaenea. Dieu voulant, pour être sûr que nous ne faillissons point dans la connaissance,
L'immuabilité de son alliance. Dieu les fit à nouveau en ce 20e siècle. Cette génération destinée à le ramener. Cette génération doit savoir. Cette génération doit être inexcusable. Car à cette génération, cette tâche fut donnée. Alors il envoya un vase humain particulier entouré de signes surnaturels pour attirer l'attention et pousser cette génération perverse à regarder, à réfléchir, à chercher et à penser. Ainsi, ce halo de lumière qui a apparu à sa naissance, l'étoile d'ange, le discernement, les dons, toutes ces choses furent données dans ce but. Pourquoi? Pour nous montrer Dieu à nouveau. C'est tourné là, pour nous montrer Dieu à nouveau. Pour répéter ce qu'il nous montra en Jésus-Christ, quand il vint dans la chair, et pour nous le rappeler une dernière fois, comme Jésus, frère Branham, redémontra la chose, la chose même qui fit croire aux hommes que le vrai Messie était venu. Le signe du Messie. Que Dieu a utilisé dans le ministère dans son propre ministère sur la terre. Ce signe-là était dans le ministère de frère Branham. Pour montrer que le Messie était à nouveau venu sur la terre. Il était un voyant. Il voyait. Il vivait dans les deux mondes. Dans le monde visible et dans le monde invisible en même temps. En même temps. Il dit, il vivait dans les deux mondes. Dans le monde visible et dans le monde invisible en même temps. Et transcendait les deux pratiquement tout le temps. Jésus disait, mon père travaille et je travaille. Le fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au père. Et voici que frère Branham vient en ce 20e siècle. Il agit exactement de la même manière. Il dit, les foules venaient de partout. Pourquoi? Parce que c'était une génération qui avait oublié ce qu'était Dieu. Amen. Amen. Nous allons à l'église. Nous avions nos réunions sous la tente. Mais nous avons oublié. Nous voulions le voir. J'étais seul. J'étais un prédicateur. J'étais sincère. J'ai prié pour les malades. Tony Osman a un don de guérison. Il a beaucoup écrit. Il a même écrit un livre sur la guérison divine. Dans son livre, il témoigne que quand il a rencontré frère Branham, sa vie a changé. Son ministère a changé. Il a eu un don puissant de miracles. Et frère Branham parle aussi de lui. Il dit, j'étais loyal envers mon organisation. Et j'avais oublié. Nous faisions du mieux que nous pouvions. Cela me dit, me fut dit par des hommes qui, je suis sûr, étaient assis sincèrement. Mais ils avaient oublié. J'étais allé en Inde. Je voulais aider les gens. Mais quand je rencontrais les hindous et les musulmans, je ne pouvais gagner. Car il disait, votre Bible n'est pas la parole de Dieu. Notre Coran est la parole de Dieu. Il disait, Jésus n'est pas son fils. Jésus n'est pas son prophète. Mahomet est son prophète. Je ne pouvais pas prouver qui était Jésus. Ils avaient un livre noir. Moi aussi j'avais un livre noir. Ils avaient le livre noir, le Coran. Moi aussi j'avais la Bible. Le mien était la Bible, le leur était le Coran. Quel était le bon? Ils croyaient les leurs, moi je croyais les miens. Mais il n'y avait pas de preuves. Je reviens à la maison et j'ai entendu un sermon intitulé « Si vous voyez Jésus,
vous serez plus jamais le même. Vous ne serez plus jamais le même. Il avait entendu un serment comme ça. Et je le vis le matin suivant dans une vision. Et ceci changea ma vie. Et me prépara pour ce que Dieu avait mis sur ma route. Il avait mis l'homme de Dieu sur ma route. Sur cette voie-là. Quelle est la voie? Même Tony Osborne, pour servir Dieu, il devait rencontrer cet homme. J'avais vu le Seigneur. Aucun homme ne peut dire ce qui arrive quand cela prend la place. Je savais qu'il était vivant. Peu de temps après, on eut une convention. Et frère Branham à Portland, dans l'Oregon. À Portland, dans l'Oregon. Notre convention devait se dérouler. J'étais le pasteur hôte. Et le secrétaire du district. Mais je devais partir aller voir l'homme de Dieu. Ma famille y là. Elle me raconta ce qu'elle avait vu. Je devais y aller. J'étais assis là, dans le troisième balcon de l'auditorium de Portland. Ce petit homme de Kentucky. Vint. Et s'éteint devant le micro. Avec sa Bible serrée contre lui. Et prêcha. Quel merveilleux message. Si simple. Il avait un langage de montagne. Mais. Il était de Dieu. Dieu était en lui. Je le savais. Il expliquait les paroles de Dieu et agissait comme si elles étaient toutes vraies. Aussi vraies maintenant que jamais. Quand il eut fini, plusieurs se tournèrent vers le Seigneur. Il amenait les malades devant lui. Il défiait devant lui. Il en avait tant qu'il pouvait prendre du temps avec plusieurs d'entre eux. Il ne pouvait pas prendre du temps avec eux. Je regardais, je pleurais. Après quelques minutes, elle s'arrêta pour prendre un peu de temps avec quelqu'un, parfois loin du micro. Je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait. Il semblait se dérouler quelque chose de merveilleux. J'entendais ceux autour de moi critiquer. Frère Branham, nous avons parlé de la promesse de Jésus-Christ que lorsque vous imposeriez vos mains aux malades, ils seraient guéris et que cela s'accomplirait. Car la parole de Dieu ne peut faillir. Les Écritures ne peuvent être brisées. Alors j'étais là, mon cœur plein de réjouissance. Du fait que lorsqu'il touchait ces gens, il serait rétabli. Il ne me vint jamais à l'idée que cela ne se produirait pas. Je fus choqué quand j'entendis quelques personnes autour de moi critiquer dans la réunion même. Et il s'arrêta une petite fille. Et il nous demanda de baisser nos têtes. Je l'entendis dire, sans vraiment élever la voix. Il n'a pas crié. Il a dit, esprit sourd. Esprit sourd et muet, je te commande dans le nom de Jésus-Christ de quitter cet enfant et de ne plus revenir en elle. Mais il ne l'avait pas dit comme l'avait entendu dire auparavant, comme je l'avais entendu dire auparavant. Il ne parlait pas comme les scribes et les pharisiens. Il parlait comme quelqu'un qui a de l'autorité. Amen. Amen. J'étais prêt à l'aider. Je voulais dire de mon mieux. Je suis sûr que la plupart ressentaient la même chose. Mais c'était terminé et le travail était achevé. Il avait dit que c'était terminé. Et il avait dit aux démons quoi faire et s'attendre à un résultat. Cette fille fut guérie avant même que j'eus relevé la tête. Et j'éclatais en sanglots. Et c'était merveilleux. Cette petite fille était parfaitement guérie. Il me sembla que 10 000 voix tournaient autour de ma tête. Et disaient, tu peux faire cela. C'est ce que Jésus faisait. C'est de la même manière que Pierre et Jean. C'est ce qu'il faisait. Dans la Bible. Amen.
dans la Bible. La Bible est pour aujourd'hui. La raison pour laquelle je fuis, plusieurs ne pouvaient comprendre le signe naturel qui était donné comme preuve. Parce qu'à ce moment-là, il prenait les gens par la main et une vibration apparaissait sur sa main, indiquant la présence d'un mauvais esprit ou d'une maladie. Quand cela a été chassé, sa mère est devenue normale. Cela concernait grandement les théologiens et les chrétiens. Ils n'avaient pas vu cela auparavant. Pourquoi les gens croient-ils comme cela? Disant que cet homme avait un démon. Comment pouvait-il dire cela? Ainsi, d'un autre côté, il y avait ceux qui ne croyaient pas que c'était un démon et qui commençaient à prier pour obtenir le même signe. Je ne pouvais pas comprendre cela non plus. Cela ne me vint pas à l'idée. Étant aussi là, et je regardais et désirais ce signe. Ce n'est pas de mes affaires. C'était le don de Dieu à une génération. Cela ne me vint pas à l'idée que c'était que je devais posséder ce don-là. Mais tout ce qu'il fit, discernant les pensées et les besoins des gens, me démontrer Jésus-Christ en action. Je vis Jésus ce soir-là dans une forme humaine appelée William Branham. Je voyais Dieu à l'œuvre dans un montagnard de Kentucky. Je voyais la parole de Dieu, la parole vivante qui ne peut pas être brisée. Amen. Amen. Je ne vis pas un signe que je désirais, mais je voyais que Dieu vivait aujourd'hui. C'est long, mais j'arrête là-bas. Il a vu Jésus dans une forme humaine appelée Branham. Quand nous lirons d'autres déclarations où il dit que Dieu aujourd'hui est en cravate, vous allez regarder ici, regarder là-bas, et pourtant c'est frère Branham en cravate. C'est la voie pourvue par Dieu. Quand Moïse est allé en Égypte, c'était Dieu sous forme d'un homme. Frère Branham est arrivé aujourd'hui, Dieu sous forme d'un homme. C'est pourquoi il pouvait prêcher Dieu dévoilé. Le Dieu puissant dévoilé devant vous. Heureux sont ceux pour qui le prophète Branham n'est pas une occasion de chier. Vous voulez réussir? Voyez le prophète. Amen. Suivez ce qu'il dit. Amen. 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 Levez-vous pour adorer. Alléluia. 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 C'est très bien ça. Si vous voyez cela, demandez ce que vous voulez. Dites: Seigneur, j'ai cru ce qui est difficile. Si je crois cela, moi ceci, tu vas me le donner, je crois. Et tout ce que vous allez demander, vous voyez que vous avez la chose. Quel est cet homme de Jésus? Oh, quel est cet homme de Jésus? Jésus, il dit la
Cette semaine sera une semaine spéciale. Peut-être tu n'as pas encore cru le message, mais c'est la seule voie du salut aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, si tu es là et que tu avais encore des doutes, tu hésitais encore, tu n'avais pas encore pris position pour la parole de Dieu, l'occasion t'est accordée aujourd'hui pour donner ta vie à Christ. Prendre le baptême au nom de Jésus-Christ afin de recevoir la vie, de continuer à suivre les prophètes. C'est la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, si vous êtes là, je fais un appel à l'autel. Je vous invite maintenant. Si vous n'avez jamais pris position pour la parole de Dieu, si vous êtes un idolâtre, vous l'abandonnez cette voie-là pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, le seul vrai Dieu que le prophète Branham nous a présenté, le Dieu de Branham, le Dieu qui s'est manifesté par la colonne de feu. Si vous voulez l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur personnel, si vous êtes là, levez votre main. Si vous voulez donner la vie à Christ, si vous êtes là, avancez, venez ici à l'autel. Venez donner votre vie à Christ. Avancez à l'autel. Avancez. Si vous avez entendu sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est votre occasion. C'est votre jour. Venez pour prendre un vrai baptême au nom de Jésus. Avancez si vous êtes là. Avancez avant que je ne prie. Avancez. Que Dieu te bénisse, mon frère. Avance. Avancez. Jenny, Aboya kamuti, anayo jali mabe.
bato kolo Yesu aboyaka moto te akayo zali mabe denge nyonso akobenga yo solo oya epai na ye akobongola yo kukuma mosantu najani koluka bapate na yesu Merci Seigneur Jésus-Christ. Ta parole est sortie, Seigneur. Tu es le grand Dieu immuable, dont les voies sont immuables. Tu avais déjà vu la fin avant le commencement. C'est pourquoi tu avais disposé des écritures pour chaque âge. Nous voici vivants dans les derniers jours. Dans l'âge de la Odyssée, où tu as pourvu d'une voie pour le salut, tu nous as envoyé un prophète, accompagné d'un signe surnaturel, un homme que tu as utilisé puissamment, en qui ton ministère a été réincarné. Seigneur Jésus, c'est cette voie que nous suivons pour aller au ciel, pour être enlevé, pour recevoir le Saint-Esprit, pour être béni, pour être guéri. Ô Seigneur, c'est l'unique voie, l'unique moyen que tu as à nous aider. Tu nous as fait grâce, tu as ouvert nos yeux. Ma prière, c'est que tu puisses davantage ouvrir les yeux de tes enfants. Tu as agité chaque don pour attirer l'attention de ton peuple. Pendant longtemps, nous avons regardé dans le vide. Mais aide-nous à tourner nos regards vers Jésus. Malachi 4, aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tony Osborne a vu un frère Branham, Jésus-Christ est manifesté. Non pas que frère Branham soit le Dieu adorable, mais il est le prophète. Cette étoile qui nous amène au Dieu véritable, adorable. Comme les mages avaient suivi l'étoile jusqu'à l'enfant Jésus, c'est comme ça que nous suivons cette étoile. Nous voulons suivre le prophète Branham pour qu'il nous montre, nous pointe la véritable adoration.
qui est en Jésus-Christ. Le véritable salut qui est en Jésus-Christ. La véritable guérison qui est en Jésus-Christ. La véritable bénédiction qui est en Jésus-Christ. Tout ce dont nous avons besoin, nous le trouvons en Jésus-Christ. Oh, Jésus. Voici ces âmes qui sont devant toi. Je te les confie, Seigneur. Fais-le prendre. Ils ont pris cet engagement à toi te suivre. À suivre par la voie que tu as prévue pour aujourd'hui. Seigneur Jésus, nous te dédions les journées de réunion spéciales. Nous viendrons, Seigneur, pour chercher davantage le baptême du Saint-Esprit, le scellement des âmes, la circoncision des âmes. Où nous voulons voir des natures changer. Où nous voulons voir les miracles être accomplis au milieu de nous. Où nous voulons réclamer des grandes choses. Nous voulons, oh Dieu, cette fois-ci que tu nous donnes la foi dans les grandes choses. Oh Seigneur, nous te dédions ces réunions, Père. Je te confie chaque fils et chaque fille qui t'a parlé avec foi. Accorde à chacun selon le désir de sa vie, de son cœur, selon sa foi, Seigneur. Merci parce que tu l'as fait. Merci, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, amen. Après, vous rentrerez pour un entretien avec un des diables. Tarudia monge na shemasi moja. Je reviens après. Tanguja badai. Amen. 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 Seigneur Jésus, aide-moi, aide mes frères et mes soeurs à ne jamais faire de compromis avec ta parole. Seigneur Jésus, pardonne nos insuffisances, que nous soyons ramenés à notre héritage. Nous voulons être des croyants vertueux, obéissants, des croyants pleins de foi. Et je crois que tu as exaucé cette prière, car nous l'avons demandé dans le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.